Bonjour à toi, chers spectateurs, et bienvenue dans cet épisode 21 de Au coin du Blu-ray. Épisode 21 qui passe donc à la lettre J, dans laquelle je suis assez pauvre en termes de lettres. Alors, bien évidemment, il y a des très gros films dont j'aurais pu vous parler, mais en sachant que j'ai pour la plupart fait des critiques soit en duo, soit bien complètes, genre Joker, par exemple, ça, je voyais pas vraiment l'intérêt de vous en parler. J'aurais pu vous parler de Jeanne d'Arc, de Luc Besson. J'ai hésité, mais sachant qu'on a déjà parlé deux fois de Luc Besson, en parler trois fois, je pense qu'il y a certaines personnes qui auraient eu un peu l'impression que j'étais fanatique, que j'essayais absolument de défendre Luc Besson. C'est le cas, j'aime bien défendre Luc Besson. Mais là, non, j'avais pas très envie. Donc du coup, j'ai cherché un autre film. Un film qui sortait un peu de l'ordinaire. Et j'ai réussi à en trouver un que je me suis procuré tout dernièrement. Un film qui, lorsqu'il est sorti, m'a beaucoup marqué, mais assez rapidement tombé bah, un peu dans l'oubli. Alors qu'à l'époque, c'était quand même le passage derrière la caméra du fils d'un très grand cinéaste qui décidait de nous proposer une œuvre quand même un peu perchée. Il s'agit de Notre jour viendra de Romain Gavras, fils donc de Costa Gavras, qui depuis a fait un film qui est, je sais pas si on peut dire adoubé, mais si on peut dire adoubé assez facilement, que je vous invite à aller voir si vous ne le connaissez pas. Mais en tout cas, avant, il avait réalisé Notre jour viendra, qui a un parcours assez atypique. Alors, l'histoire, elle est très simple. C'est Patrick et Rémi. Alors, je vais vous le résumer vraiment comme je peux, parce que je vois pas vraiment comment passer par 10 000 chemins, qui, au travers d'un parcours initiatique assez perché, vont essayer de se rendre en Irlande pour être libres, parce qu'ils sont roux et qu'ils ont l'impression d'être opprimés. Oui, je sais, c'est perché. Mais après, pas tant. Alors, l'historique de ce film est assez particulier parce que j'ai eu l'occasion de le vivre en direct, quasiment l'historique de ce film, parce qu'à la base, Romain Gavras, c'est un réalisateur de clips. Donc au-delà d'être le fils de Costa Gavras, immense cinéaste français, qui depuis a un peu du mal quand même à faire des films, mais s'en sort toujours assez bien. Donc, à l'époque, c'était un réalisateur de clips. Et il avait réalisé un clip. Un clip qui était devenu assez viral sur Internet parce qu'il avait fait polémique. C'était un clip de la chanteuse Mia qui s'appelait Born Free. Et dans ce clip, on y voyait un bus contenant plein de roues se faire emmener sur un champ de mine, devoir courir et croiser les doigts pour pas tomber sur une mine. Donc vous vous en doutez, à l'époque, il avait quand même pas mal fait polémique. Mais en tout cas, l'idée venait de Romain Gavras et il a eu envie d'en faire un film. Un film donc qu'il a mis en scène en, si je ne me plante pas et j'ai pas envie de vous dire de bêtises, 2010, et qui est un délire. Un délire devant lequel, lorsque je l'ai vu, je suis resté un peu sceptique la première fois. Parce que je me suis dit, ok, il y a de l'idée, c'est sympa, c'est plutôt ambitieux, bien réalisé, très bien joué, mais je sais pas, j'avais la sensation à l'époque qu'il manquait un petit truc en plus. Et lors du deuxième visionnage, j'ai pris conscience que j'en attendais peut-être un petit peu trop de ce film. Que je m'étais un peu trop figé une espèce d'image suite au clip donc de Mia. Et que forcément, de ce film, j'en attendais un peu beaucoup. Et que du coup, il fallait peut-être juste que je prenne un peu de recul et que je me dise, ok, pose-toi, c'est un délire. Fait par un cinéaste qui peut-être est un peu perché, mais ça reste juste un délire. Et à partir de là, le film devient très intéressant. Le film devient simplement une espèce de quête initiatique qui raconte l'histoire de deux allumés qui sont persuadés d'atteindre un rêve, mais qui finalement ne vont jamais réussir à le toucher du bout du doigt. Et à partir de là, le film devient très intéressant. Le film nous embarque dans une espèce de longue série d'étapes assez charnières, notamment pour le personnage de Rémi, parce que Patrick, c'est un vieux de la vieille, voilà, il a fait son bise, il veut simplement l'embarquer. Il suffit de voir qu'à un moment, carrément, il se rase le crâne, parce que pour lui, il considère qu'il va appartenir à personne et qu'il veut surtout passer inaperçu. Donc voilà, au moins c'est posé. Mais Rémi est un personnage assez fascinant parce que s'il n'est pas vide, il est en tout cas très libre d'interprétation pour le spectateur. Il est posé là, tel un héros qui, voilà, aurait juste besoin d'une identification et qui trouve un espèce de modèle. Et nous, spectateurs, on est dans la même situation. Je ne dirais pas que c'est le même parcours qu'il y a sur des Star Wars ou sur des Matrix, mais presque. On est dans cette optique d'avoir un mentor, un jeune homme, qui va se retrouver devant un choix, aller suivre cette aventure ou rester de côté et potentiellement ne rien vivre du tout et mourir en inconnu. Et c'est cette idée-là qui est assez intéressante et qui emmène le film dans une direction où du coup, nous, spectateurs, nous sommes bien embarqués. Ça reste un délire,
faut accepter l'idée de base, mais si on accepte cette idée de base, le film est vraiment très intéressant et je trouve assez instructif même. Et mine de rien, pour une première réalisation, je trouve que Romain Gavras a quand même pas mal d'idées de mise en scène et qu'il arrive à les emmener dans des directions qui, parfois certes, sont un petit peu bancales, peut-être un peu trop expérimentales, peut-être trop clipesques, mais ça, c'est parce que son background le pousse à aller dans cette direction. Mais en tout cas, une chose est sûre, je trouve que Romain Gavras avait réussi à poser son style et dans son second long métrage, qui a beaucoup plus marché, eh ben, il a réussi à le trouver. Et je trouve que Le Monde est à toi est un film excellent, vraiment très bon sur de nombreux points de vue, qui nous embarque dans plein de directions fascinantes, et c'est un très bon film. Donc, il fallait bien passer par là, c'est son premier essai pour Romain Gavras, Notre jour viendra est très intéressant, et je tiens à saluer aussi les performances de Olivier Barthélémy et de Vincent Cassel en tête d'affiche. Les deux acteurs sont vraiment excellents. Olivier Barthélémy, malheureusement, c'est un acteur qui est totalement tombé dans l'oubli aujourd'hui. Personne ne se souvient de lui, et c'est bien triste. Mais vraiment, à l'époque, c'était un grand acteur qui promettait une très belle carrière. C'est juste dommage qu'il n'ait pas réussi à aller dans cette direction. Mais en tout cas, ouais, les deux acteurs portent très très bien le film. Et si vous avez l'occasion de voir Notre jour viendra de Romain Gavras, allez-y, ça reste très intéressant, même si par moments, c'est un peu compliqué. Ainsi s'achève cet épisode 21 d'Au coin du Blu-ray. Encore une fois, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires soit ce que vous avez pensé de Notre jour viendra, soit même ce que vous avez pensé de Le Monde est à toi. Parce que c'est vrai que mine de rien, j'en avais parlé à l'époque, mais rapidement, ben, il est un peu tombé dans l'oubli ce film et on n'en a pas trop reparlé. Mais ça reste un film très intéressant. Et je vous conseille de voir ces deux-là. Pour le coup, les deux films sont vraiment cool et j'ai hâte de voir ce que Romain Gavras va nous proposer par la suite. Mais en tout cas, voilà, laissez-moi vos avis dans les commentaires et je les regarderai comme d'habitude. Et d'ici là, je vais vous dire ce que je vous dis à chaque fois à la fin de cette émission. Il y a bien plus de secrets qui se cachent dans une jaquette de Blu-ray.